Allez, viens, Didier Rose, suis-moi. Oui, voilà. Oui. Allez, oh, attention à ton pied, tu t'es encore foulé les pieds. Oh, mais oui, mais. Oh là là, t'as vu la radio, garde. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Mais comment t'as fait pour te faire mal comme ça? C'est pas la première fois. Je sais pas, moi, je fais pas exprès, hein. Bah, je me doute, mais fais attention, Lily, quand tu joues. Hein, c'est pas normal, on va devoir aller chez le médecin, là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore, là? Non, c'est pas possible, Lily Rose. Tu t'es pas encore foulé la cheville. Là, on dirait même que tu t'es cassé la jambe, c'est pas possible, on va devoir aller à l'hôpital, là. Il faut pas laisser traîner ça. J'en peux plus. C'est ça, le truc, là? Oh là là, en plus, ça a l'air d'être sérieux, je suis pas médecin, mais bon. Tu vois, on commence à avoir des radios comme ça partout, c'est la troisième fois déjà cette année. Mais j'y peux rien, je suis juste allée faire du skate et voilà. Bon, allez, allez à l'hôpital, je veux plus rien savoir et reviens quand ça va bien. Bon, allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller chez le médecin. Allez. D'accord. Suis-moi. Mais on met pas trop longtemps, hein, parce que j'ai bien très envie. T'inquiète, ça va aller vite. Ah, qui c'est encore? Enfin un rendez-vous. Allô? Oui, oui, c'est moi. Oui, oui, c'est ça, je peux faire ça, tout à fait. Ah, oui, oui, je suis disponible quand vous voulez. Vous pouvez venir tout de suite, à toute heure, oui. D'accord. Merci, au revoir. Ah, enfin, quelqu'un va venir ici. Ça fait des années que j'ai pas eu de patient. Comment je vais faire? Je vais attendre ici. Je vais faire semblant d'être occupé, comme ça quand ils vont arriver, ils vont pas trouver ça bizarre. Allez, vite, on se dépêche. Oui, oui, ça va aller, t'inquiète pas. Allez, vite, vite. Allez, dépêche-toi. Ah, je stresse. Il devrait arriver dans quelques minutes. Comment je vais faire? Je sais pas vraiment soigner les trucs. Moi, ça fait des années que j'ai pas fait ça. En plus, une jambe cassée. C'est même pas mon travail, moi. Vas-y, assieds-toi doucement, Lily Rose. J'ai peur quand même, on n'est jamais venu ici et ça a l'air bizarre, il n'y a personne. Moi, normalement, je m'occupe des gens qui ont des problèmes à la tête. Ah, des petits problèmes, un peu comme moi. Je pense que c'est eux. Oh là 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 là. J'espère que ça va bien se passer. Non, t'inquiète, ça va aller, Lily Rose. Ouais, ok. On va bien s'occuper de toi. T'as encore mal, là? Bah ouais, quand même. Bon. T'inquiète. C'est bizarre, hein, ici. Est-ce que la patiente suivante peut venir? Bonjour. Vas-y, installe-toi. Oui, oui. Sur le fauteuil. Alors, tu as mal où? Au pied. Au pied? Ah bah, ça tombe bien. Je sais faire ça. C'est le truc que je fais le mieux. Tu me dis si t'es confortable, ok? D'accord. Allez, c'est parti. Oui, oui, ça va, ça va. Oui, oui, oui. Encore un petit peu, peut-être? Non, non, non. Attends, comme ça. Non. Oui. Parfait. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Pourquoi vous nous dérangez? Docteur, j'ai oublié de vous donner la radio de Lily Rose. Comment ça, vous avez oublié? Mais c'est pas sérieux, bon, tout ça. Je vous laisse, hein. À tout à l'heure. Parfait, ma petite, c'est parfait. Bon, alors, on va voir ton pied, on va voir ce qui va pas. Hein? Alors là, c'est clair. Pour moi, c'est... Ta main est cassée. Je pense. Ta main est cassée. C'est mon pied. Ah oui, c'est vrai, le pied. Bon, on va ausculter ça, d'accord? Alors, ça va? T'as pas mal? Non. Ah oui, c'est l'autre jambe peut-être? Non, c'est celle-là. Ah d'accord, bon. Oui, là, ça fait mal. T'as mal? Oui, oui. Et si je fais ça comme ça? Oui, ça fait oui. Là? Non. Là? Non. Ok, bon. A priori, ça va, c'est pas cassé, alors ça devrait être juste une petite foulure de cheville. Est-ce que si je fais ça, t'as mal comme ça? Oui. Je vais te préparer quelque chose et on va voir si ça va te soulager, d'accord? N'aie pas peur, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait pas mal. Non, vous aurez pas besoin de ça. J'ai vu un reportage, ils faisaient pas du tout comme ça. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ah non, ils ont pas ça? Non. Ah bah, les méthodes ont dû changer depuis, mais bon. Je vais trouver une solution. Attends. Deux secondes, je regarde précisément ce que tu as. Je vais beaucoup me concentrer. Oh là là, comment je vais faire? Je sais pas du tout ce qu'elle a. Je sais même pas dans quel sens regarder le truc. Je vais regarder sur internet comment soigner un pied foulé. Alors, mettez-le dans du riz. Bon, ma petite, viens, on va passer... On va passer sur une autre table d'opération. D'accord. Voilà, parce que je... D'opération. Non, c'est pas vraiment une opération, tu vas voir, ça va pas faire mal, mais on va passer à un autre atelier, tu vas voir à la fin, tu vas avoir aucun problème. Vous êtes sûr que vous soignez des pieds? Oui, je soigne des pieds, j'ai l'habitude, c'est mon métier, je suis je suis docteur pied. Allez, mets-toi ici. Ah, allonge-toi.
Voilà. C'est pas très confortable. Ouais, mais c'est pas très confortable, mais bon, on est ici pour te soigner. Mais là, hein. C'est pour la tête. Non, c'est pas pour la tête, c'est pour les pieds, ça. Hop, voilà. Ah. Allez, c'est parti. On lève le pied. C'est pas celui-là. Ah, oui, c'est vrai. On lève le pied. Ça va, t'as pas mal? Un peu. Et si je fais ça? Oui, oui. Et là, si j'appuie ici? Non, bah non. Et là? Bah non, j'ai mal au pied. Là, t'as mal ou pas? Non. Non, mais parce que des fois, le pied, c'est un rapport avec les oreilles aussi, hein. Le problème vient d'ici. Je l'ai dit depuis. Mais oui, mais pas dans ta tête. Le problème vient d'ici. Voilà. D'accord. Alors, à partir de là, voilà, ce que je peux te proposer, voilà, ça je sais le faire, aucun problème, c'est des béquilles. Mais monsieur, vous avez rien examiné? Mais si, t'as mal là. Mais c'est quoi alors? Et quand on a mal là, là ici c'est les béquilles. Oui, allez. C'est quoi la maladie? La maladie, c'est cet endroit-là, ça s'appelle la cheville, c'est la chevillus. Allez, hop, c'est parti. Ok, d'accord, merci. Allez. Monsieur. Allez, attends, par contre. Quoi? Hop, avant 2 secondes, elle est mal réglée, je pense. Comme ça. Ah. Voilà. Là, là, c'est parfait. Allez, okay, tiens. Merci. Attends, je vais examiner, un petit truc encore. Aïe. Allez, vas-y. Non, non, c'est la bonne taille, c'est la bonne taille. T'inquiète pas. Si t'as un peu de mal au début, c'est normal. D'accord. C'est le temps que tu s'y habitues. Allez, assieds-toi là. Hop. Et voilà, parfait. Et je vais préparer un truc là. On va faire une petite expérience avant que tu partes, hein. Non. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Non, 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 non. Je vais préparer une petite expérience. D'accord. Alors, attends, avant de faire l'expérience sur toi, je vais tester parce que mon matériel est un peu capricieux parfois. Non, mais il est vraiment fou ce médecin. C'est pour ça qu'il y a personne dans son cabinet. Bon, moi je vais m'en aller, hein. Oh, parfait, parfait. Voilà. Ah, enfin. Et tu vas pouvoir faire l'expérience. Petite? Petite? Oh non, elle est où? La radio est là. Oh non, il ne reste que sa basket. Où est-ce qu'elle est passée? Et les béquilles aussi. Oh, elle a dû s'enfuir. Oh là là, comment je vais faire? Il faut vite que j'aille la chercher. Je lui ai dit des noms de trucs au hasard. Ces maladies, elles n'existent même pas. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vite, on part, dépêche-toi. Explique-moi. Allez, dépêche-toi, tu vas m'expliquer. Oh non, ils sont partis en courant. Oh là 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 là, quelle horreur. Comment je vais faire? Y a que moi qui veux me faire soigner par moi. Bon, d'ailleurs, je vais voir si je vais bien. Allez. Ah, c'est parfait. Je suis en très bonne santé. Ah, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le prochain rendez-vous. Peut-être l'année prochaine, avec un peu de chance.